MedValley, c'est un projet effectivement très très ambitieux, mais qui a une réalité. Une réalité parce que dans un premier temps, on a fait un constat sur le territoire et on s'est aperçu qu'on avait déjà une richesse importante au niveau de la recherche, au niveau de l'environnement, au niveau de l'alimentation et au niveau de la santé. Et c'est vrai que MedValley s'appuie sur ces trois piliers que sont la santé, l'environnement et l'alimentation agroalimentaire. MedValley, c'est une initiative extraordinaire hein, qui a été lancée par le maire de Montpellier et président de la métropole, Michael Delafosse, qui vise tout simplement à faire émerger Montpellier et sa métropole comme un lieu de développement, d'innovation dans le secteur de la santé globale. MedValley, c'est un moyen de renforcer les liens entre les acteurs sur le territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un vrai support sur les différents projets, notamment la partie immobilière. Et après, c'est aussi important pour nous d'un point de vue international, puisqu'on est une société suisse, on a une vocation internationale. Et le fait qu'il y ait un label MedValley, quelque part, nous donne aussi un peu plus de visibilité sur le choix montpelliérain. On a même l'ambition d'être capitale mondiale. Rappelez-vous que la faculté de médecine est la faculté de médecine encore active, la plus ancienne, puisqu'elle remonte à 800 ans. Ce terreau est véritablement l'ADN sur lequel nous sommes partis, avec l'ambition de faire mutualiser l'ensemble des corps constitués que peuvent être les chercheurs, les enseignants et les entreprises et les start-up. Et nous le faisons travailler ensemble sur cet même objectif de santé globale. Notre inscription dans MedValley, c'est ça, c'est de l'attractivité auprès des équipes de recherche, de l'attractivité auprès de nos partenaires qui sont des investisseurs, mais aussi de l'attractivité auprès de nos partenaires qui sont des pharma avec qui on travaille sur les projets. Et l'objectif, c'est qu'on puisse faire de ce pôle-là montpelliérain un centre d'attractivité pour les biothérapies et en particulier un centre d'attractivité pour les thérapies cellulaires. Je pense que MedValley, c'est également une opération d'aménagement du territoire. On voit bien qu'aujourd'hui, au niveau de Montpellier, il y a une espèce de déséquilibre du sud par rapport au nord. Et moi, j'ai vraiment un très grand espoir de pouvoir aussi, impliquer les populations de ces quartiers dans un tel projet. Donc c'est véritablement, non pas simplement une ambition, mais véritablement un engagement. Et l'utopie se réalisera. Et elle a commencé déjà à se réaliser, puisque nous avons déjà des opérations qui se sont concrétisées sur le territoire.